Alléluia. Bienvenue. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Je vous invite à vous tenir debout ce matin. Nous sommes là dans un même cœur, dans un même esprit, pour adorer le roi des rois, pour élever le Dieu très saint, pour élever le Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous crions ce matin ensemble, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es le vrai Dieu, le Dieu puissant. Nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons t'élever en ce matin. Que tout genou fléchisse et proclame le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit. Alléluia. Nous voulons chanter Yahweh. Tu es le même, tu ne changes pas. Change pas.
Saint-Esprit est au milieu de nous et nous crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Nous crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Alléluia, Alléluia. Nous allons lire ensemble le psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Et le peuple dit Amen, Alléluia. Nous allons chanter, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il est le même éternellement. Il n'a pas changé. Nous allons chanter qu'il est saint, qu'il est grand, qu'il est redoutable, qu'il est puissant.
que sa fidélité durera toujours. Alors, peuple de Dieu, sois dans la joie ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Tout puissant, il est puissant.
il est puissant. Il est puissant, puissant, triomphant, 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 il est puissant, puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes. Son nom, mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Alléluia! Acclame le roi des rois ce matin, le Dieu puissant, le guérisseur. Alléluia, ton sauveur, acclame-le. Il mérite de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Alléluia, alléluia. Il est puissant, il est élevé. Nous voulons l'élever encore plus haut parce qu'il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia, alléluia, élevé. Il a vaincu la mort pour toi et pour moi. Mon Sauveur est vivant. En son nom, j'ai la victoire. Alors saisis-la par la foi dans le nom de Jésus. Tu es victorieux. Alléluia. Sois sans crainte ce matin. Tu es victorieux. Il a déjà tout payé, tout accompli à la croix. Alléluia. Sois sans crainte ce matin. Sois sans crainte ce matin, l'Éternel règne, il règne éternellement, il est élevé au-dessus de toutes circonstances. Il te connaît, il te connaît, il te connaît, il sait, alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand. En son nom, j'ai la victoire.
Tu es élevé,
Bonjour à tous, bonjour Église du Nazaréen du monde vanté, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis content de vous retrouver ce matin pour ce culte. J'espère que vous avez apprécié cette louange, même si c'est une louange qui était déjà enregistrée, mais je crois que la présence du Seigneur est avec vous. Je vous bénis et je vous bénis dans le nom du Seigneur. J'ai une salutation particulière pour une pensée pour la famille Hillary, mais aussi pour notre sœur Marie-France, la famille Amphimac. Mais je veux aussi saluer j'ai pensé à certaines familles, la famille Suédil, les Pélages, les anciens, la sœur Marie-Ghislaine Godaron. La sœur Marie-Ghislaine Godaron, elle a donné son témoignage dans un mardi méditation pendant les vacances. Je vous invite à le revoir. Le frère François Luzon, le frère Jean, il salue toute l'Église. La sœur Dorée aussi, la sœur Ghislaine Célestine, on l'a bénie. J'ai pensé aussi aux frères du Vernon, la famille Hubel, la famille Louisor. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas citer toutes les familles, mais que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés dans cette période de confinement. On va commencer par la Sainte Cène ce matin et je vous invite à prendre les emblèmes pendant que je vais lire avec vous 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Pendant que vous récupérez les emblèmes, je lis. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Le Seigneur lui-même a ordonné ce saint sacrement. Il a recommandé à ses disciples de recevoir le pain et le fruit de la vigne, symbole de son corps brisé, de son sang versé. Venons à sa table, le festin est pour nous, ses disciples. Que tous ceux qui ont, par une véritable repentance, abandonné leurs péchés et cru en Christ et en son salut, s'approchent et prennent ces éléments par la foi, participent à la vie de Jésus-Christ pour la consolation et la joie de leur âme. Souvenons-nous que c'est en mémoire de la mort et de la passion de notre Seigneur et aussi en gage de son retour. N'oublions pas que nous sommes un à une même table avec le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui dans ta tendre miséricorde as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort sur la croix pour notre salut, écoute-nous, nous te supplions très humblement. Permets alors que nous recevons ce pain et ce fruit de la vigne, symbole de la sainte institution de ton Fils, en mémoire de sa passion et de sa mort, que nous puissions recevoir les bénédictions, toutes les bénédictions issues de son sacrifice. Seigneur, permets que nous puissions nous approcher de toi dans une véritable humilité et une foi sincère, tandis que nous prenons part à ce saint sacrement par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons l'emblème du pain. Je vous invite à le prendre aussi, alors que je prie. Seigneur, voici ton corps, l'emblème de ton corps brisé pour nous. Par tes meurtrissures, nous avons la vie. Merci parce que tu nous donnes tellement de bénédictions grâce à ce corps qui a été meurtri, brisé. Nous prenons les bénédictions et nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été brisé pour nous, nous garde sans tache jusque dans la vie éternelle. Prenons et mangeons ce pain en nous rappelant que Christ est mort pour nous. Mangeons ensemble. Seigneur, voici l'emblème du sang.
ton sang qui a coulé sur la croix, qui nous a lavés, purifiés, justifiés. Donne-nous encore des bénédictions grâce à ce sang, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui fut versé pour nous, nous garde sans tache jusque dans la vie éternelle. Buvons ceci en nous rappelant que le sang de Christ fut versé pour nous et soyons reconnaissants. Buvons ensemble. Tout est pour toi, Seigneur. Dirige-nous ce matin dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je suis content de partager la parole de Dieu avec vous. J'espère que le Seigneur va nous diriger. On va prier encore. Seigneur, ce matin, c'est toi qui parles. Efface-moi afin que ta parole, ton Saint-Esprit puisse parler. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Retire ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Le thème de ce matin, suis-je dans l'erreur? Suis-je dans l'erreur? Ne vous avez-vous jamais trompé? Est-ce que vous n'avez jamais commis d'erreur? Êtes-vous sûr de tous vos choix? Le thème de ce matin, suis-je dans l'erreur? N'avez-vous jamais pris une décision qui, au final, n'est pas la bonne? N'avez-vous jamais pris un chemin et tout au long du chemin, vous avez l'impression que ce n'est pas le bon? Suis-je dans l'erreur? C'est le thème de ce matin. Est-ce que vous vous êtes jamais senti perdu dans nos choix, dans vos choix, dans vos décisions, dans vos positions? Est-ce que vous vous êtes jamais senti perdu? Suis-je dans l'erreur? En vérité, voilà une question que même le chrétien qui a la foi, parfois, se pose. Est-ce qu'on peut être vrai ce matin? Suis-je dans l'erreur? Est-ce que parfois je me sens perdu? Est-ce que vous vous êtes jamais perdu d'ailleurs sur la route? Mesdames, je rigole, je vous embête, mais c'est vrai que statistiquement parlant, scientifiquement parlant, il est prouvé que les femmes ont plus de mal à se repérer dans l'espace. Donc, elles vont plus facilement se perdre sur la route ou quelque part. Ce n'est pas des blagues, c'est prouvé, c'est scientifique. Je ne suis pas misogyne, je ne suis pas machiste, c'est prouvé scientifiquement. Mais de vous à moi, je crois juste que c'est juste une histoire de focus et d'intérêt. J'explique, je pense, je ne suis pas scientifique, je pense. Mais un homme, généralement, quand il va quelque part, naturellement, il va prendre des repères. Naturellement, automatiquement, il va regarder là où il se trouve. Tandis que la femme, elle n'est pas sur ça. L'homme va naturellement se situer, mais la femme, elle n'est pas sur ça. Donc en fait, moi je pense que cette différence, ça n'a rien à voir avec l'incapacité de la femme. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'elle ne trouve pas d'intérêt à se situer, à se repérer dans l'espace. Voilà pourquoi je pense qu'il y a cette différence. Mais bref, ça c'est pour un cours de mariage. En attendant, ne vous êtes-vous jamais perdu? La dernière fois où je me suis vraiment perdu, je me souviens, j'étais en voiture, ça remonte à quelques années. Nous étions allés, ma femme et moi, à un mariage. Je crois que c'était la réception, c'était à l'hôtel Plein Soleil ou Plein Sud, je crois, au François. Et bien sûr, lorsque nous sommes allés à la réception, je suivais une voiture. Donc, naturellement, j'ai pris des repères. Naturellement, je regardais où j'allais. Finalement, on assistait à la réception. Mais quand est venu le moment de rentrer chez nous, je repars et là, Je me suis perdu. Alors pendant un bon moment, je fais style que je sais où je vais, mais plus j'avance, plus je roule, plus je réalise que je ne sais pas où je vais. Donc j'étais obligé de dire à Gaëlle, j'ai manqué la sortie, quelque part j'ai fait une erreur, j'ai raté la sortie, je suis perdu. Ça vous est jamais arrivé de vous perdre, d'avoir ce sentiment que vous êtes sûr d'aller quelque part? Vous êtes sûr d'avoir pris la bonne décision, mais plus vous allez, plus vous vous posez des questions. Plus vous allez, plus vous doutez. Plus vous allez, plus vous avez ce genre de questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien dit? Parce que là aussi, qui n'a pas commis des erreurs avec la bouche? Qui n'a jamais trop parlé? Qui n'a jamais trop dit? Qui n'a jamais dépassé les bords?
Au départ, dans l'ambiance, on discute, on est bien. Et puis finalement, notre bouche va dire quelque chose que finalement, on va regretter. Mince, je n'aurais pas dû dire ça. Suis-je dans l'erreur? Cette question peut être simple et banale pour des choses qui n'ont pas d'intérêt, mais elle peut être aussi profonde quand il s'agit de choix des études, quand il s'agit d'une carrière professionnelle, quand il s'agit dans un travail, s'il faut démissionner, s'il faut accepter la promotion, ça peut être plus profond quand il s'agit du choix du conjoint. Ça peut être plus profond aussi quand il s'agit de la foi, tout simplement. Est-ce qu'on peut parler franchement ce matin? Qui parmi nous, je parle aux chrétiens, qui parmi nous ne s'est pas dit à un moment donné, suis-je dans l'erreur? Est-ce que tout ça, cette histoire de foi, cette histoire de Jésus, cette histoire de Bible, est-ce que tout ça, c'est vrai? Suis-je dans l'erreur? Surtout lorsqu'on voit qu'on croit en quelque chose, on espère quelque chose, on respecte les règles du jeu, on répond aux critères, on obéit à certains commandements, on attend un résultat logique et finalement, on obtient quelque chose de totalement différent. Dieu nous dit de faire ça, Dieu nous dit de respecter ça. Normalement, on devrait avoir ce résultat-là et finalement, on ne l'a pas. Donc normalement, vient logiquement cette question, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de suivre les commandements de Dieu? Est-ce que ça vaut le coup de se priver de certaines choses, de fermer sa bouche? Est-ce que ça vaut le coup de tenir son corps durement? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre et d'attendre pour au final ne rien avoir? Suis-je dans l'erreur? Suis-je dans l'erreur? Surtout quand d'autres ne respectent rien du tout. Surtout quand d'autres ne font rien de spécifique. Surtout quand d'autres s'en fichent des lois de Dieu et ils ont des résultats positifs. Ils ont même ce qu'on appelle des bénédictions. Est-ce qu'il y a des vrais chrétiens ce matin qui regardent et qui peuvent dire qu'une fois, même pas une fois, plus d'une fois, on s'est posé la question, suis-je dans l'erreur avec cette histoire de foi en Dieu? Il y a des versets qui disent, et je crois que je l'ai mis, le psaume 37, 25 qui disent « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste, ni abandonné, ni mendier sa postérité, ni mendiant, ni sa postérité mendiant son pain. Mais parfois, mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai un tel sentiment d'être abandonné que je me demande si je ne suis pas dans l'erreur. » Il y a un autre verset, je l'ai mis aussi, le Proverbe 22, 10, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il n'en a fait suivre d'aucun chagrin. Mais parfois, mon Dieu, oui, j'ai été béni, mais parfois derrière ça, il y a des choses qui m'arrivent et c'est tellement compliqué que je me dis, est-ce que tout ça, c'est Dieu? Parce que normalement, je ne devrais pas avoir de chagrin après une bénédiction. Mais normalement, je devrais être dans le schéma du Proverbe 22, 10, mais je suis dans une situation compliquée. Est-ce que tout ça est vrai? Cette histoire de Bible, cette histoire de commandement, est-ce que tout ça est vrai, cette histoire de Dieu? Suis-je dans l'erreur? Ce matin, je veux parler à de vrais chrétiens. Je veux parler à ceux qui ne donnent pas une facette, ceux qui ne donnent pas une image de chrétien fort. Parce qu'en vérité, parfois, dans la foi, je ne suis pas fort. Du tout, du tout, du tout. Et parfois, je me demande, suis-je dans l'erreur? Je ne suis pas constamment dans cette question-là. Mais en vérité, il y a des choses qui m'arrivent tellement... C'est tellement fort que parfois, je me demande si je ne fais pas fausse route. Par rapport à tout cela, ce matin, je veux vous emmener dans un texte qui va nous aider. Un texte, je l'espère, qui va réduire le nombre de fois où on va se poser cette question, suis-je dans l'erreur? Un texte qui, je l'espère, va nous aider aussi à réduire notre taux d'erreur. Je vous invite avec moi dans Marc, chapitre 12, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Marc 12, 18 jusqu'à 26. Marc 12, 18 jusqu'à 26, je lis.
Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère l'épousera, sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme, mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même pour le troisième. Et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. Verset 23, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson ardent? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Si lors de nos passages à vide, si je peux dire ça comme ça, ces moments où on se pose la question « suis-je dans l'erreur ?» Voilà un texte où Jésus face aux Sadducéens va leur dire, il va affirmer « vous êtes dans l'erreur ». Jésus leur dira « vous êtes grandement dans l'erreur ». Le contexte de ce passage et le contexte de nos passages à vide sont totalement différents. Mais dans ce passage, on va tirer des clés pour avoir un taux d'erreur plus réduit. Ici, on a un Jésus qui fait face à l'opposition. D'ailleurs, dans le livre de Marc, si vous êtes un fin lecteur des évangiles, dans le livre de Marc, Marc va montrer Jésus comme un super-héros. À chaque fois, Jésus sort d'une situation et fait face à une autre. Jésus, il est comme il fait comme, boum, il y a un miracle, boum, il y a une opposition. Boum, il y a un miracle, boum, il y a un autre miracle, boum, il y a une autre opposition. C'est comme s'il joue au ping-pong. Miracle, opposition, miracle. Bref, je m'amuse là. Ici, c'est au tour des Sadducéens qui viennent s'opposer à lui. Les Sadducéens, pour faire court, étaient un groupe religieux organisé, presque du même style des pharisiens. En fait, ces groupes partaient d'une bonne intention. Il faut que nous prenions l'habitude, moi je m'efforce de le faire, à essayer de comprendre les gens. Aujourd'hui, avec du recul, on voit les pharisiens, les sadducéens comme des mauvais, comme des méchants, etc. Mais avec du recul, quand on essaie de comprendre, et il faut tout le temps essayer de comprendre l'autre, ces bonhommes-là partaient d'une bonne intention. Ils ont été dégoûtés de la rébellion, de la désobéissance du peuple juif. Donc, ils ont instauré une sorte de discipline des lois, des commandements et des traditions. Ils étaient très pointilleux. Si bien même qu'ils ont laissé la loi et la tradition prendre le dessus sur Dieu lui-même, sur l'intention de Dieu. Bref, les Sadducéens, ils étaient spéciaux dans le sens qu'ils faisaient partie d'une classe assez riche, plus riche que les pharisiens. Mais ce qui faisait leur spécificité, c'est qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Après la mort, c'est fini. C'est ce qu'ils se disaient, les Sadducéens. Et là, ils viennent s'opposer à Jésus par rapport à leur spécificité. Quelque part pour montrer à tout le monde que finalement, c'est eux qui ont raison. Et l'exemple qu'ils vont prendre, c'est un exemple tiré de la loi de Moïse. Je crois que je l'ai mis, Deutéronome 25, à partir du verset 5. Regarde le texte qui dit, « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. » En fait, dès qu'un homme, pour bien t'expliquer si tu n'as pas compris, un homme est marié avec sa femme, finalement il meurt, mais n'ont pas eu le temps d'avoir des enfants. Donc la femme est obligée de se marier avec le frère, obligée de se marier avec son beau-frère. Et son beau-frère, il doit aller vers elle pour lui faire un enfant. Et s'il a un enfant avec cette femme, l'enfant ne va pas porter le nom du beau-frère, mais il va porter le nom du frère qui est décédé. En fait,
Derrière ça, il y a une intention de garder les 12 tribus. Souvenez-vous, Dieu a parlé à Abraham, Isaac, et ça a donné Jacob, et Jacob avait 12 fils, 12 tribus. Il fallait perpétuer les 12 tribus, les 12 grandes familles. Donc, la loi, c'était une importance sur la descendance, une importance sur la transmission. Mais j'ai envie de dire, ça existait déjà. Regarde, au début, dans la Genèse, Adam et Ève, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais ça ne s'arrête pas à Adam et Ève, ni à Israël, ça s'arrête à nous aussi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, le chrétien aussi doit avoir une descendance spirituelle. Et j'ai envie de te demander ce matin, qui est-ce que tu enfantes ? Une brebis enfante une brebis. Qui est-ce que tu amènes au Seigneur ? Qui, par ton témoignage, viens au Seigneur, parce qu'il y a une importance dans la transmission. On l'a vu avec Adam, on le voit avec Israël et on le voit aussi avec l'Église. Si chaque disciple, chaque chrétien enfantait un chrétien, on aurait rempli la terre. Bref, je referme la parenthèse. Les Sadducéens ont pris cette loi de Moïse pour pouvoir dire à Jésus qu'est-ce qui va se passer une fois que le frère aura pris la femme, etc., etc. C'est une manière pour dire, Adam qui commence nous cueillir dans le ciel. Mais Jésus va leur dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Je l'ai mis. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Croyez-le ou pas, la réponse de Jésus aux Sadducéens, c'est la réponse à toutes les fois où nous sommes dans cet état où nous disons, suis-je dans l'erreur ? On va le voir. Mais avant même de voir ce qui nous concerne, il me faut quand même vous expliquer la réponse de Jésus. Jésus va leur dire, effectivement, il y a résurrection. Et au ciel, on sera comme des anges. Les anges ont un corps adapté au ciel. Comme diraient certains théologiens, les anges ont un corps glorifié. Ils ont un corps adapté pour le ciel. Souvenez-vous, lorsque Jésus venait de ressusciter, il allait voir Marie de Magdala, et on l'avait vu dans... Elle ne savait pas que c'était Jésus. Bref, il allait voir Marie de Magdala, et elle venait pour le toucher. Il a dit, attends, il faut que j'aille voir mon Père. Et quand on voit dans Jean 17, ou c'est Jean 18, il dit, glorifie-moi comme la gloire que j'avais auprès de toi, mon Père. Ça veut dire qu'au ciel, on a un corps différent. Il y a une gloire différente, un corps glorifié. Mais ce corps n'est ni masculin, ni féminin, physiquement parlant. Donc au ciel, il n'y aura pas d'amour éros. Et éros vient, c'est de là qu'on a le mot érotique, sensuel. Ça renvoie à la sexualité, ça renvoie au plaisir charnel. Donc il n'y aura pas d'amour éros au ciel, mais il n'y aura que de l'amour agapé, l'amour total, l'amour absolu, l'amour parfait. Donc même si au ciel, on va se reconnaître, la partie physique, sexuelle, charnelle ne sera plus. Il n'y aura plus d'intérêt. Donc, le fait de savoir que c'est la femme de X ou c'est la femme de... ça n'aura plus d'intérêt, ça n'aura plus d'importance. Donc, il dit aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur. Non seulement il y a résurrection, mais vous êtes dans l'erreur parce qu'il n'y aura pas de sexualité. Et ça me fait toucher du doigt avec des pointillés sur la pensée musulmane. Avec des pointillés, il faut vérifier, mais il est dit que les martyrs, et c'est souvent les djihadistes, croient, on ne va pas dire ce verset, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais bref, ils croient cette chose qui dit dans le Coran, il me semble, qu'un martyr au paradis, il aura 72 vierges. 72 vierges. Mais Jésus, béni soit l'Éternel pour ce passage. Jésus nous apprend qu'au ciel, il n'en est rien de tout ça. Au ciel, on sera dans une dimension telle que la sexualité n'a même pas sa place. Il leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Pas de plaisir sexuel au ciel, mais il y aura la résurrection. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous parle à nous ? Qu'est-ce qui nous parle à nous ? Ça, c'est la réponse qu'il a donnée aux Sadducéens. Qu'est-ce qui nous parle à nous quand on se dit, suis-je dans l'erreur ? Quand on catch-il. Et c'est là que le message commence. C'est là que le message commence. Regarde bien, premièrement, Jésus va dire, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne savez pas ce qu'il y a exactement dans ce livre. Vous n'avez pas compris. Nous, aujourd'hui, on sait que la Bible est un livre extraordinaire. Un livre essentiel, primordial pour avancer avec Dieu sur terre, mais aussi avancer avec les hommes sur terre.
Nous savons que ce livre est spécial, mais pour monsieur tout le monde, c'est un livre comme un autre. Mais pour celui qui croit, ce livre-là transforme une vie. Ce livre-là va révéler des choses extraordinaires. Ce livre-là, il a la vérité absolue. Et en fait, dans ce livre, il y a des personnages, il y a des histoires, il y a des paroles, il y a des prophéties, il y a des commandements qui s'adressent à chacun d'entre nous. Et si nous trouvons à une croisée qui nous fait nous poser cette question, suis-je dans l'erreur? C'est que quelque part, nous n'avons pas compris quelque chose. Quelque part, nous n'avons pas saisi quelque chose. Je veux te dire que dans ce livre, écoute bien, il y a une personne qui s'est retrouvée dans la même situation que toi. Il y a une personne qui s'est retrouvée dans la même croisée que toi. Alors ça paraît incroyable, mais c'est peut-être pas au détail près. Mais dans ce livre, il y a une personne qui te ressemble. Il y a une solution, il y a une réalité. Tout est là dans ce livre. Tes problèmes sont là, tes équations sont là, tes solutions sont là. Ce ne sera peut-être pas la même situation, mais ça va ressembler à ta situation. Et c'est pour ça que Dieu te dit que si tu ne saisis pas, tu seras dans l'erreur. Regarde ce que 1 Corinthiens 10, 11, je l'ai mis. Ça dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple pour toi et moi. Elles ont été écrites pour notre instruction, ton instruction à toi et moi, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a une histoire qui te correspond. Il y a un verset qui te correspond. Il y a une parole qui te correspond. Il y a un mot qui te correspond. Mais dans tout ça, si tu ne trouves pas cette histoire qui te correspond, ce verset qui te correspond, ce mot qui te correspond, dans l'incompréhension, dans le doute, dans la peur, il y a une chose que tu dois jamais cesser de faire, c'est cesser de croire en Dieu. Hello? Dans le doute, dans l'incompréhension, dans la panique, il y a une chose que tu dois jamais cesser de faire, c'est de croire en Dieu. N'avez-vous jamais pris une route? Prenez une route et tout en allant, vous allez quelque part, et tout en allant, plus vous avancez, vous vous dites, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le chemin. Mais vous continuez d'avancer, vous dites, mais c'est bizarre, ça ressemble, est-ce que je suis dans l'erreur? Mais finalement, vous continuez et vous réalisez que vous êtes sur la bonne route. Ça vous est jamais arrivé? La chose, c'est que parfois, même si on ne sait pas s'il faut prendre à droite, prendre à gauche, choisir noir, choisir blanc, s'il faut monter ou s'il faut descendre, s'il faut faire demi-tour, s'il faut accélérer, mais il ne faut jamais cesser de faire confiance à Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que ce soit la sortie A, la sortie B, je suis le chemin. Et laisse-moi te dire, le chemin n'est pas une décision. Le chemin n'est pas un choix. Le chemin n'est pas la sortie A. Le chemin n'est pas la sortie B. Le chemin n'est pas est-ce que je fais demi-tour. Le chemin n'est pas est-ce que je prends à gauche. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin, je dois lui faire confiance. Le chemin, c'est une personne. Si j'ai pris la solution A, j'ai l'impression que je suis perdu. Le chemin, c'est lui faire confiance. Si j'ai pris la solution B et j'ai l'impression que je suis perdu, le chemin, c'est Jésus-Christ. Si j'ai pris la solution C et que je me sens perdu, le chemin, c'est lui faire confiance. Je ne suis pas en train de te dire que peu importe le choix que tu vas faire, au final, il sera bon. Non, il y a des choix qui vont nous donner plus de problèmes que d'autres. Ça, c'est clair et net. Je le répète pour toi, il y a des choix qui vont nous donner plus de problèmes que d'autres. Ça, c'est clair et net. Mais il faut lui faire confiance. Jamais cesser de lui faire confiance. Soit la sortie A ou la sortie B, fais confiance à Jésus. Dès lors qu'on a cessé de faire confiance à Jésus, on ouvre la porte à toutes sortes de choses. Regarde Adam et Ève. Le travail de Satan, c'est de te faire diminuer ta confiance en Dieu. Regarde Adam et Ève. Avec Adam et Ève, il a dit, comment, le serpent tout en leur parlant, c'est comme s'il leur disait, comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui ne vous dit pas tout? Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui cache des bénédictions? Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui vous empêche à accéder des choses qui sont bonnes à manger et qui sont belles à la vue, beaux à la vue? Et ils ont commencé à diminuer leur confiance
en Dieu. Dieu me commissionne ce matin pour te dire, pour dire à quelqu'un, n'arrête jamais de faire confiance à Jésus, que ça soit A, que ça soit B, que ça soit C, n'arrête jamais de faire confiance. Même si tu es perdu, même si tu es dans l'erreur, fais-moi confiance. Même si tu es perdu, même si tu es dans l'erreur, fais-moi confiance. Et je ne suis pas en train de, loin de là, je ne suis pas en train de parler du discours pro-vaccin, anti-vaccin. Loin de là, je te parle de quand tu as l'impression que tout est renversé, que ta foi a diminué, que tes prières ont été vaines, que tous tes efforts n'aboutissent à rien. Ce matin, je veux te dire, il faut lui faire confiance quand même. Tu n'es peut-être même pas perdu, tu passes un long tunnel. Tu n'es peut-être même pas perdu, tu passes par une forêt dense. Mais tu es sur le bon chemin. Tant que je crois en Jésus, tant que j'ai confiance à Jésus, je suis sur le bon chemin. Tant que ta foi est en Jésus, tu es sur le bon chemin. Comme on dit en anglais, keep going, keep walking, continue d'avancer, continue de croire. Ne cesse jamais de faire confiance à Jésus, c'est lui le chemin. Je t'ai dit, le chemin n'est pas une voie. Le chemin n'est pas une décision. Le chemin, c'est une personne. Le chemin, c'est la confiance que tu mets en Jésus. Quelqu'un a dit que les décisions que nous prenons vont faire que notre vie sera plus ou moins agréable, plus ou moins difficile, plus ou moins riche. Mais notre confiance en Dieu ne doit jamais baisser. Jamais. D'ailleurs, vient la deuxième chose. Ce qu'il a dit, la première chose, vous ne comprenez ni les Écritures, mais la deuxième chose, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Quand tu es à ce stade, quand tu te dis, suis-je dans l'erreur, voici la deuxième partie de la réponse de Jésus. Il a dit, vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu, ni la puissance de Dieu. Et après ça, il parle de la résurrection. J'ai envie de dire, vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de la résurrection. Comprends bien, la résurrection dans l'Évangile, c'est le point culminant. Sans résurrection, ça n'a rien de sens, ça n'a pas de sens. Sans résurrection, rien n'a de sens. Sans résurrection, la foi n'a pas de sens. Tout tourne autour de la résurrection. Aujourd'hui, notre humanité se situe historiquement par rapport à la naissance de Jésus, mais elle devrait se situer historiquement par rapport à la mort et la résurrection de Jésus. Sans résurrection, il n'y a pas de foi chrétienne. La résurrection veut dire que ce qui est mort est revenu à la vie. Et toute la puissance de Dieu se manifeste là. Satan peut faire plein de choses. Satan peut faire des miracles. Satan peut te donner ci, il peut te donner ça. Il peut même te guérir. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Satan ne peut pas ressusciter. Ça appartient à Dieu. Il a la puissance de la résurrection. Jésus a dit aux Sadducéens, vous n'avez pas encore compris c'est quoi la puissance de Dieu. Vous n'avez pas encore compris c'est quoi la puissance de la résurrection. Ce qui a été mal fait, je peux le rétablir. Ce qui est mal parti, je peux le ramener. Ce qui est condamné, je peux le justifier. Ça, c'est toi et moi, on était condamnés. Ce qui est condamné, je peux le justifier. Ce qui n'a plus d'avenir, je peux lui donner de l'avenir. Ce qui n'a plus de force, je peux le fortifier. Ce qui est endormi, je peux le réveiller. La puissance de la résurrection. Ce qui est blessé, je peux le guérir. Ce qui est mort, je peux le ressusciter. Ce qui est maudit, je peux le bénir. Voilà la puissance de Dieu. Voilà c'est quoi la puissance de la résurrection. Dieu me commissionne ce matin pour te dire, non seulement continue d'avancer, continue de faire confiance à Dieu, mais il me dit de te dire qu'il est là pour restaurer, il est là pour ressusciter, il est là pour redonner la vie. Je suis là pour te redonner le sourire. Alléluia. Cela veut dire que quand bien même je suis dans l'erreur, quand bien même tu as mal fait, il est capable de changer les choses. La puissance de la résurrection. Quand tu te dis, suis-je dans l'erreur, dis-toi aussi que tu sers un Dieu qui a le pouvoir de la résurrection. Que ça soit mariage, que ça soit travail, que ça soit maladie, que ça soit étude, que ça soit démoniaque, que ça soit sensuel, que ça soit addictif, que ça soit répétitif. Il a le pouvoir du pouvoir du pouvoir du pouvoir.
Toutes les fois où tu te demandes, suis-je dans l'erreur? Pense au grand Dieu que tu sers. Pense au grand Dieu que tu sers. La seule chose à faire, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir confiance. C'est d'avoir confiance. Ce qu'il dit, il le fait. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Suis-je dans l'erreur? Je suis peut-être dans l'erreur. J'ai peut-être fait de mauvais choix. J'ai peut-être pris de mauvaises décisions. Mais je ne vais jamais cesser de croire en Dieu. Il a la puissance de la résurrection. Ah, le pouvoir du pouvoir du pouvoir. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est la confiance en Jésus qu'il faut avoir. Comprends-moi bien. Je le répète, je ne te dis pas de choisir n'importe quel chemin. Je ne te dis pas de faire du n'importe quoi. Non, je suis en train de te dire, ta foi ne doit jamais désespérer. Ta confiance ne doit jamais diminuer. Jésus est le chemin. Satan, tu as cru m'avoir, j'avais baissé la garde, j'avais baissé la foi, j'avais arrêté de prier, j'avais baissé ma confiance, j'ai fait de mauvais choix. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je recommence à croire, je recommence à faire confiance à Dieu. Il a le pouvoir du pouvoir du pouvoir. Alléluia. Mais tu sais, les Écritures aussi, c'est la sincérité, c'est la repentance. C'est venir auprès de Dieu et dire... J'ai foiré, j'ai mal fait, j'ai été dans l'erreur, pardonne-moi, mais aujourd'hui, je remets ma confiance en toi. Tu as le pouvoir du pouvoir. Je crois de tout mon cœur que certains d'entre nous ont besoin de faire ça. Certains d'entre nous ont besoin de confesser. Effectivement, j'ai fait le mauvais choix. Effectivement, j'ai pris la mauvaise décision. Mais ce matin, il est temps de se repentir et de faire confiance à Dieu. Il a le pouvoir du pouvoir du pouvoir de la résurrection. Je crois de tout mon cœur que certains sont aussi dans des tunnels de questions, des tunnels de doutes. Normalement, j'aurais dû commencer la série Le Nouveau Moi, mais voilà le message que Dieu m'a donné. Certains sont dans des tunnels de questions, des tunnels de doutes, des tunnels de... Mais Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est... Mais est-ce que tu es là? Je suis la résurrection, il a dit. Continue d'avancer, continue d'espérer. Satan, le diable, aime lorsque le chrétien est perdu. Il aime lorsque le chrétien n'est pas sûr. Il se dit, dans le nom de Jésus, je fais confiance à Dieu. Je refuse d'être perdu dans ma foi. Je peux hésiter par rapport à un choix X, par rapport à un choix Y, mais je refuse d'être perdu dans ma foi. Je crois en Jésus. Je crois, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Ce matin, je reviens à toi, mon Père, par Jésus. Tu es le chemin, je te fais confiance. Il a le pouvoir du pouvoir du pouvoir du pouvoir du pouvoir de la résurrection. Et je termine avec cette dernière chose. Écoute bien ce que je vais te dire. La puissance de Dieu est souvent remise en question par la puissance de la comparaison. La puissance de Dieu est souvent remise en question par la puissance de la comparaison. On va en parler lorsqu'on va commencer cette série, Le Nouveau Moi. Mais souvent, la puissance de la comparaison limite les choses de Dieu en nous. Un tel, il a fait ça. Un tel a ça. Il a obtenu ça. Pourquoi moi, c'est différent? Un tel n'a pas fait ça. Un tel a réussi dans telle chose. Moi, je fais la même chose. Mais pourquoi moi, c'est différent? Ou encore, tu n'as pas vu ce qui est arrivé à un tel? Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à telle personne? Pourquoi Dieu a permis ça? La puissance de la résurrection est remise en cause. Elle diminue à cause de la puissance de la comparaison. Vendredi encore, lorsque nous avons eu ce moment de jeûne, et je bénis tous ceux qui ont participé à ce moment de jeûne, je suis tombé sur ce passage encore dans l'évangile de Jean, où Jésus va parler à Pierre. C'est ce fameux passage où il va rétablir Pierre trois fois. Il va lui dire, paie mes brebis, etc. Et Jésus va parler, il va partir avec Pierre et Jean va venir. Et Jésus va parler à Pierre. Et Jésus va dire quelque chose à Jean. Et Pierre va lui dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Jésus va lui dire, que t'importe? Ça veut dire, ce que j'ai décidé avec Jean, ce n'est pas ce que j'ai décidé avec toi, Pierre. Malheureusement, trop de chrétiens tombent dans ça, dans la puissance de la comparaison. Non, ce matin, c'est la puissance de la résurrection et la foi en Jésus. Je veux te faire confiance et j'arrête avec la puissance de la comparaison. On va prier. On va prier.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Père. Père, ce matin, nous venons à toi par ton Fils Jésus-Christ. Ta parole dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à toi si ce n'est par Jésus-Christ. Donc ce matin, nous venons à toi par Jésus-Christ. Lavé, transformé par Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, te demander pardon. Toutes les fois où nous avons été dans le questionnement au point de douter de toi, au point de douter de ta bonté, au point de douter de ta justice, au point de douter de tes plans parfaits. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons regardé avec des yeux charnels. Pardonne-nous parce que nous avons laissé la puissance de la comparaison nous aveugler. Mais ce matin, ton Église, celui ou celle qui regarde, celui qui a saisi ta parole, il vient s'humilier. Nous nous humilions, Seigneur, et nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Peu importe les choix, Seigneur, qu'il y a à faire, jamais notre confiance en toi ne va baisser. C'est l'engagement que nous prenons avec toi ce matin. Dans le nom de Jésus, notre confiance est en toi. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les croisées, peu importe les choix à faire, notre confiance est en toi. Nous scellons ça dans le nom de Jésus. Et nous te disons merci parce que tu as la puissance de la résurrection. Tu es celui qui peut ressusciter. Tu es celui qui peut ramener. Alors sois béni, Père. Merci, Seigneur, parce que nous sommes faibles, mais tu nous fortifies. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles à toi. Même Seigneur, même si nous nous égarons, ramène tes enfants, ramène-nous ce matin. Ramène-nous ce matin, nous revenons au port, nous revenons à la maison, nous revenons à toi Jésus, dans le nom de Jésus. Ramène ce matin, ramène quelqu'un ce matin. Ramène ce frère, ramène cette sœur dans le nom de Jésus. Ramène-la Seigneur, peu importe les choix qu'il a fait, ramène-la dans le nom de Jésus. Et qu'il puisse te faire confiance à nouveau. Je bénis tous ceux qui reviennent à toi ce matin, dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent voir la puissance de la résurrection, qu'ils puissent voir le Dieu que tu es, le Dieu que tu es. Sois béni, Père, et merci encore pour cette discussion que tu as eue avec les pharisiens. Suis-je dans l'erreur? Je ne sais pas tout, mais une chose que je sais, l'Éternel est vivant. Sois béni, sois exalté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. J'espère que vous applaudissez le Seigneur, c'est vous, parce qu'il est bon, il est grand, il est puissant. La puissance de la résurrection. Oui, on a des choix à faire. Oui, des fois, on ne sait pas quel choix qu'il faut faire. Mais il y a un choix qu'on ne doit jamais ne pas faire, c'est baisser les bras et stopper, arrêter de croire. Je vous bénis dans le nom de Jésus, je vous encourage. Dans ces temps difficiles, dans ces moments difficiles, à ne pas baisser les bras. C'est ce que le diable demande. Gardez la foi. Gardez la confiance en Jésus. Au nom de Jésus, amen. On passe aux annonces. Je vous bénis encore. Merci encore. C'est un moment difficile. Nous avons décidé avec le conseil de garder le bâtiment fermé. Donc nous réouvrirons l'église le 19. À la fin du confinement, bien sûr, avec toutes les mesures sanitaires nécessaires. Donc, nous avons encore 2 semaines, mais nous prions pour que la situation en Martinique puisse se rétablir. C'est pas évident, c'est compliqué. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, mais nous devons faire confiance à Dieu. Donc, merci pour la patience, merci pour les prières. On continue de prier les uns pour les autres. Alors, lundi, vous retrouvez la méditation écrite sur le site internet de l'Église, mais aussi sur le groupe WhatsApp. Mardi, nous avons mardi méditation à 18h30, un moment autour de la parole. Jeudi, nous avons à 18h30 les sujets de prière qui sont envoyés sur le groupe WhatsApp. Et puis, on se retrouve dimanche en ligne à 9h pour le culte, une louange et un message inspiré par le Seigneur. Je vous bénis, je vous demande de prier les uns pour les autres. La contamination... Le Covid touche plusieurs personnes, parfois des membres de nos familles, donc on continue de prier. On continue de prier pour l'Église. C'est pas évident, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On garde la foi et Dieu fera
Nous prions aussi pour les enfants, la rentrée arrive, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, que Dieu puisse nous aider. Je vous bénis, Église, je vous bénis, je vous aime. Je peux simplement vous dire que les temps sont compliqués, mais on va s'en sortir, on va y arriver. Le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas. Donc voilà pour les annonces, voilà pour aujourd'hui. Et je vous dis à dimanche prochain, dans le nom du Seigneur, soyez bénis. Et puis, n'oubliez pas ce que j'ai dit dans le message. La transmission est importante. La descendance est importante. Un disciple doit faire un autre disciple. Un chrétien doit faire un autre chrétien. Donc, travaillez à ça avec votre témoignage, avec vos paroles, avec vos actions. Parlez de Jésus et que le Seigneur soit témoigné. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Bon dimanche. Je vous aime. Je veux encore bénir, je bénis l'équipe. L'équipe en place qui sont là pour enregistrer, je les bénis. Ce n'est pas évident pour eux, mais je les bénis et que la bénédiction du Seigneur soit sur eux. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous aime. À dimanche prochain. Allez, bye.